Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur X et aujourd'hui pour cette 23e vidéo test Sega, je vais pas tester un mais deux jeux. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que je vais tenter un nouveau concept qui va être, comme je viens de le dire, tester deux jeux d'affilée d'une même série dans une vidéo de moins de dans une vidéo de 20 minutes, d'une vingtaine de minutes bien entendu. Et aussi parce que les deux jeux qui vont être testés, donc vous le voyez sur le titre de la vidéo, qui est Sonic Drift 1 et 2, bah les deux jeux, je pense que en 10 minutes chacun, 10 minutes chacune, j'aurai déjà donné tout l'essentiel de chaque jeu en question. Donc bien entendu, nous nous retrouvons avec Sonic Drift 1, qui était un jeu de course de cartes sorti en 1994, sorti uniquement sur Game Gear, et dont le principal but a été de faire concurrence à faire concurrence au célèbre Super Mario Kart venant de chez Nintendo, qui était sorti 2 ans auparavant. Donc bien entendu, hein, durant la guerre Sega contre Nintendo, bah, il fallait automatiquement que Sega fasse un jeu de course de cartes avec sur l'univers du petit hérisson bleu. Donc le jeu que je vais tester, c'est le premier épisode, voilà, qui était sorti en 94, ça je l'ai dit. Hop, Sega, on le passe. On commence directement à l'écran d'accueil du jeu. Donc, nous avons trois modes de course, en fait trois modes de course disponibles. Donc nous avons le mode championnat, hein, comme il n'y a pas cherché midi à 14h, hein, mode championnat. Le mode course libre, qui est considéré comme une course style mode contre-la-montre et mode entraînement. Ensuite, le mode versus, mais comme j'ai pas d'autres joueurs avec moi, bon, je vais jouer tout seul. Donc, on va commencer, on va voir au niveau des options. Donc, on peut écouter les musiques du jeu, hein. Ensuite, le niveau de difficulté, normal ou difficile. Ouais, ça c'est bon, je prends le mode normal. Et enfin, bon, ben, on va commencer directement par le mode championnat. Donc bien entendu le mode championnat ça va être trois championnats qu'on nous propose, donc le championnat vert, le championnat jaune ou le championnat rouge. Bien entendu chaque couleur correspond à un niveau de difficulté, facile, normal ou difficile. Alors pourquoi? Quelles sont les différences? Et bien en fait c'est la structure du circuit qui est fermée, la structure du circuit fermé qui où il y a plus ou moins de virages à serrer, à moins d'items, moins d'anneaux, donc c'est tout dépend aussi de la structure du circuit. Donc je vais prendre le mode facile pour vous montrer. Et enfin, on se retrouve directement avec 4 personnages, uniquement 4 persos, donc ce qui est un peu assez faible. Mais bon, ça après, bon, on va pas trop cracher dessus. Donc déjà, on retrouve le célèbre trio Sonic, Tails et Eggman. En plus de la petite dernière qui est Amy Rose, la petite copine de Sonic qui apparaît pour la première fois dans Sonic CD sur Mega CD en 1993. Alors bien entendu, chaque personnage possède ses propres caractéristiques au niveau du kart. Et aussi un pouvoir particulier. Alors pour avoir le pouvoir, c'est très simple, il suffit de ramasser un certain nombre d'anneaux sur le terrain. Donc en général, il suffit d'en avoir deux en moyenne. Et il suffit d'appuyer sur la touche O pour la croix directionnelle O pour activer le pouvoir du personnage. Donc bien entendu, chaque personnage a son propre pouvoir. Donc on va commencer avec Sonic. Sonic, lui, son pouvoir, c'est le fait d'avoir une accélération spontanée, un boost en quelque sorte, ce qui peut lui permettre de dépasser très rapidement ses adversaires. Ensuite, Tails, lui, comme c'est un renard volant, c'est un renard à deux queues qui passe son temps à voler, et ben il a la capacité de faire voler son kart pendant quelques secondes. Donc, ce qui peut être idéal pour passer au-dessus de ses adversaires. Ensuite, Eggman, lui, il a la capacité d'envoyer des mines sur le terrain, qui dès qu'un adversaire roule dessus, l'adversaire s'arrête direct illico presto sur là où il a explosé, hein, là où il a rencontré la mine. Et enfin, Amy, elle balance des cœurs sur le terrain, des cœurs d'amour, des cœurs. Qui a la particularité de rendre confus tout ce qui passe dessus, donc c'est-à-dire à peu près mélanger les touches, inverser les touches, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez vu un peu tous les principaux pouvoirs, le principal pouvoir de chaque personnage. Donc je vais commencer avec Tails, qui est un peu mon perso gentil préféré. Bon, j'aurais bien pu prendre Eggman aussi, mais bon, j'ai décidé de commencer avec Tails, hein. Donc on va commencer directement avec le jeu en question. Donc au niveau de l'écran du jeu, on peut voir que l'écran est divisé en deux parties. Alors c'est très simple, la partie du bas nous montre la course, donc notre personnage qui est en train de rouler, notre personnage qui roule et qui en plus on a une mauvaise visibilité au niveau de la route dans la partie inférieure de l'écran, mais bon heureusement qu'il y a une carte dans la partie supérieure dessus pour nous repérer parce que c'est mine de rien la carte on pourrait se dire c'est difficile de garder un œil sur la carte et sur la course en même temps, mais la carte, finalement, elle s'avérera d'une importance capitale, puisque c'est avec elle qu'on va se repérer pour savoir s'il faut passer à gauche, à droite, bien qu'on ait des panneaux
de danger de virage hein, aussi sur le terrain, mais bon, le temps de s'en rendre compte, c'est assez juste. Donc, bien entendu, au niveau des graphismes, les décors, tous les décors sont repris de Sonic the Hedgehog 1, Sonic qui était sorti en 91 sur Mega Drive. Donc, ne vous attendez pas à d'autres circuits du genre de Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD et compagnie. Vous n'aurez que du premier épisode. Ça, c'est clair et net. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, la mauvaise visibilité de la route. Ensuite, on retrouve nos quatre personnages. Alors, au niveau de la maniabilité, bah, c'est très simple. Une touche pour accélérer, une touche pour freiner, hein, qui peut servir pour les virages. D'ailleurs, si vous savez manier lors des virages, ben, vous savez faire 75% des capacités de votre personnage. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve Ah, j'ai pas voulu actionner le truc. Il y a aussi une touche pour accélérer, une touche pour gauche et droite, pour aller à gauche, à droite, la touche haut pour activer le pouvoir du personnage. Ensuite, on retrouve sur le terrain deux items en plus des anneaux. Donc, bien entendu, on retrouve la boîte bleue, c'est la bouclier d'invincibilité, puisque ça nous permet de passer à travers nos adversaires, ne pas recevoir les panneaux, ne pas se faire toucher par les panneaux en pleine figure. Tandis que la boîte rouge, elle, c'est une accélération spontanée, elle, qui est un petit peu difficile à manier les premières fois. Mais comme je vous l'ai dit, si vous savez manier au virage, ben vous savez manier 75% de votre carte. Donc, bien entendu, au niveau des musiques, les musiques, elles sont agréables, elles sont sympathiques, mais bon, elles sont pas pour autant mémorables. De toute façon, aucune musique ne reprend de Sonic the Hedgehog 1, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, c'était ça. Je pense avoir tout dit déjà pour la musique. Donc nous voici au Spring Yard Zone, ouais si je dis pas de bêtises au niveau des noms parce qu'il m'arrive encore de confondre certains terrains. Donc dans le mode freerun, comme je vous l'ai dit, c'était un mode course contre la montre, mode entraînement. Donc vous avez que 4 circuits disponibles. 4 circuits disponibles, donc les 4 premiers niveaux de Sonic 1. Mais après vous avez aussi 3 types de circuits différents. Trois types de structures du même circuit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, plus on va vers le championnat rouge, plus ça devient difficile. Bon là, je suis au championnat vert, donc ça va, c'est facile. Donc après, bon au niveau, bon j'ai graphisme, ça je l'ai dit, la maniabilité, ça je l'ai dit, la musique aussi. Il y a aussi un problème que j'ai remarqué dans Sonic Drift, c'est le fait qu'il n'y a pas de suspense tant au niveau des ordres d'arrivée dans le jeu, parce que quoi que vous fassiez, en dehors du personnage, en dehors de Sonic, tous les autres personnages, si vous laissez passer le premier, vous verrez que c'est toujours Sonic. L'intelligence artificielle du jeu a été programmée de manière à ce que ça soit toujours le même personnage qui arrive en premier, le même deuxième, toujours deuxième, troisième. En fait, voilà, Sonic arrivera toujours premier, Tails arrivera toujours second, Amy toujours troisième et Eggman sera toujours le dernier. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense. C'est bon, peut-être que c'est le mode normal aussi d'un côté. Mais bon, là, c'est vite lassant au bout d'un moment. Donc, une douzaine de. 10, une vingt, presque une vingtaine de circuits, 18 circuits en tout, bon, qui se ressemblent tous les uns les autres. Le jeu qu'on termine à peu près en une demi-heure maximum. Ouais, si vous démerdez assez bien. Donc après, voilà, c'est un jeu assez sympathique, mais bon, après, comparé à Sonic Drift 2, ça fait un peu pâle figure. Mais bon, honnêtement, après, en tant que pour Sega fan, il faut considérer ce jeu comme une sorte de jeu test, puisque on aura un second épisode qui va sortir l'année suivante, donc Sonic Drift 2 en 95, et dont, comme je vous l'ai dit, hein, il faut considérer cet épisode comme un jeu test. 4 persos, des courses rapides, voilà, sympathique, voilà, c'est vraiment axé course, contrairement à Super Mario Kart, qui lui, apparemment, se basait sur la castagne. Donc, on se retrouve de suite pour la seconde partie de la vidéo avec Sonic Drift 2. Bien entendu, vous aurez la note que je donnerai à cet épisode à la fin de la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite pour Sonic Drift 2. Et nous revoici dans la seconde partie de cette vidéo du test de Sonic Drift 1 et 2, avec cette fois-ci la suite du premier épisode, donc Sonic Drift 2, logique, qui est sorti l'année suivante en 1995 sur Game Gear.
Et donc, honnêtement, je vais pas avoir grand-chose à dire sur cet épisode-là, puisque j'aurais déjà tout dit dans la première partie de la vidéo. Donc, je vais plus surtout me concentrer sur les différences qu'il y a entre l'épisode 2 et puis le premier, tant surtout au niveau des nouveautés. Donc, on va commencer le jeu en question. Donc, on voit Sonic au personnage principal, en écran principal. On voit aussi nos trois persos sur le côté gauche, donc Tails, Eggman et puis Amy, tandis que l'on va retrouver Knuckles, Fang et puis Metal Sonic sur le côté droit. Donc, bien entendu, comme dans le premier épisode, on nous propose trois modes de jeu. Donc, le mode championnat, le mode course libre, le mode versus. Mais bon, comme je suis encore tout seul, bah, résultat, je vais pas le faire. Ensuite, avec la petite animation assez sympathique de Tails et puis de Knuckles, on a le mode niveau de difficulté, donc normal ou difficile. Ensuite, l'ennemi ou pas. Donc, je pense que c'est surtout la présence d'ennemis sur la course. Donc, j'ai mis en on. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben, le mode course solide, je vais vous montrer un peu les différentes courses. Donc, les différentes courses, elles sont, bon, on a toujours trois championnats, elles sont toutes tirées de Sonic 2 et 3, parce je reconnais certaines courses comme l'Emerald Hill, le Hilltop, on a aussi le Casino Night, le Dark Valley, on a aussi l'œuf de la mort, donc de Sonic 3. Donc, déjà pour dire qu'il y a déjà au moins une variété au niveau des courses et au niveau des circuits, contrairement au premier qui lui ne se concentrait uniquement que sur des courses que de Sonic the Hedgehog 1. Donc, toujours trois courses, hein, cette fois-ci trois championnats avec trois championnats de 6 courses, les deux dernières n'étant pas disponibles pour le mode free run. Donc voilà, le niveau des virages aussi, hein, la difficulté du circuit et en tout, au niveau des pièges, des virages. Donc le championnat pourpre, le championnat blanc et le championnat bleu, avec des superbes émeraudes du chaos sur le côté, donc c'est assez sympathique. Donc bien entendu, en dehors des quatre personnages que l'on avait retrouvés dans le précédent épisode, à part qui sont Sonic, Tails, Amy et Eggman. On va voir la présence de Metal Sonic. Metal Sonic est apparu pour la première fois dans Sonic the Hedgehog CD, Sonic CD sorti sur Mega CD en 1993, en même temps que Amy Rose. Et dont son pouvoir est du fait que il a un boost instantané, tout comme Sonic, une fois qu'il a trois anneaux en sa possession. Donc c'est un personnage qui est un petit peu difficile à manier au début, mais qui, je pense, avec de l'entraînement, vous pouvez très bien vous en sortir. Par contre, c'est un adversaire assez coriace quand c'est l'ordinateur qui le dirige. Fang the Sniper, qui est considéré comme le personnage le plus haï de tous les autres personnages de l'univers en question. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un chasseur de trésors. Lui, il se fout royalement des idées des deux côtés. Lui, il fait uniquement que pour son intérêt personnel. Donc, il apparaît pour la première fois dans Sonic the Hedgehog Triple Trouble, sorti sur Game Gear en 94, et qui veut voler les émeraudes du chaos pour revendre à prix d'or. Donc son pouvoir à lui, c'est de balancer des pierres sur le terrain de manière à ralentir tous les autres personnages, un peu à la manière du docteur Eggman et de Amy Rose. Ensuite, Knuckles, l'Échidné, qui est le gardien de la Master's Emerald, qui apparaît pour la première fois dans Sonic 3 sur Mega Drive, sorti en 1994. Et donc son pouvoir à lui, bah, c'est tout simplement de faire voler son carte pendant quelques secondes, tout comme Tails. Hein? Donc je vais prendre le personnage de Metal Sonic. On a deux modes de conduite, le mode automatique ou le mode manuel. Donc j'ai pris le mode automatique. Et cette fois-ci, l'ordinateur qui choisit trois autres concurrents. Donc c'est qui est déjà assez sympathique puisque voilà, on aura toujours des concurrents différents. Contrairement au premier épisode qui lui on avait que quoi que quatre personnages. Donc après, niveau suspense, il n'y en avait pas des masses, hein. Donc bien entendu, cette fois-ci, Sega a revu un peu les défauts du premier épisode pour nous sortir un jeu un peu mieux que le premier. Alors déjà au niveau des circuits. Comme je vous l'ai dit, au niveau des graphismes, bon, au niveau des graphismes, c'est la partie supérieure de l'écran, on voit la carte, on voit notre personnage sur le côté gauche, on a le côté droit qui nous montre. Merde, oh putain, là je suis pas concentré. Le côté droit qui nous montre le personnage, le concurrent qui est bien entendu en tête de course. Donc après, on a aussi un pourcentage qui nous montre un peu les capacités de notre carte, s'il est au maximum ou pas. Donc déjà au niveau des graphismes, au niveau des circuits, comme je l'ai dit, sont tous repris de Sonic 2 et Sonic 3.
Au niveau des graphismes, on a toujours cette mauvaise visibilité à moins de 50 mètres, mais au moins on a des décors un peu plus jolis, un peu plus, beaucoup plus travaillés. Et donc les graphismes, techniquement, les personnages sont beaucoup plus beaux à regarder, hein. Les cartes aussi sont beaucoup plus détaillées, donc c'est pas forcément un mal, c'est même très très bien venant de la part de chez Sega. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Nous avons les circuits qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles, autant il y aura des obstacles sur le terrain qu'au moins d'items. Les personnages aussi auront la capacité d'utiliser les items quand ils en auront la capacité. Donc honnêtement, déjà au niveau des graphismes, c'est très très beau à voir, donc on n'a pas à se plaindre. Ensuite, au niveau de la difficulté, alors le jeu a été revu à la hausse tant au niveau des circuits qu'au niveau des concurrents. Les concurrents sont beaucoup plus nerveux, sont beaucoup plus intelligents, n'hésitent pas à utiliser les items, contrairement aux premiers qui eux ne passaient à travers les items mais ne les utilisaient absolument pas. Donc les ennemis sont beaucoup plus nerveux, les terrains sont beaucoup plus, comment dire ça, plus dangereux puisqu'il y aura des pièges, il y aura des obstacles, on aura à un moment donné plusieurs trous, on a même un niveau qui se passe dans la savane et dont on aura un orage qui se passe durant cette course. Et dans cet orage, et ben justement, ça nous fait ralentir, ça nous bloque un peu au niveau de la visibilité, puisqu'il y a un éclair blanc qui apparaît, donc au résultat, on ne voit plus pendant quelques secondes le terrain. Donc si vous faites un virage, qu'il y a un orage, là vous serez un petit peu dans la merde, hein. Bien entendu, sur le terrain, on aura aussi de temps en temps des batniks. Donc c'est assez. Voilà, donc déjà c'était largement mieux, donc des courses qui promettent. Ensuite, bon, au niveau des musiques, les musiques elles sont toujours aussi sympathiques à écouter, toujours aussi agréables. Donc, mais après, pas pour autant mémorables, hein. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la première partie. Au niveau de la maniabilité, bah, ça reste toujours la même chose, hein. La touche, une touche pour accélérer, une touche pour freiner, touche gauche et droite pour accélérer. Gauche et droite pour aller à gauche à droite, la touche haut pour activer le pouvoir du personnage en question. Donc déjà, en plus, sur ce point-là, on n'a aucun souci, hein. Ensuite, nous avons quoi d'autre? La durée de vie. Alors au niveau de la durée de vie, comme j'ai dit, les circuits sont beaucoup plus longs, donc beaucoup plus intéressants, et vous en aurez pour plus d'une demi-heure. Vous en aurez presque pour 1 heure si vous voulez faire toutes les courses avec tous les personnages. Donc déjà une grande variété de persos, de circuits, la difficulté revue à la hausse, des graphismes beaucoup plus travaillés et des musiques toujours aussi sympathiques. Donc je pense avoir tout dit. Alors quelle note je pourrais éventuellement donner pour les deux jeux? Alors pour Sonic Drift 1, je vais lui donner une note de 13 sur 20, tandis que Sonic Drift 2, je vais lui donner une note de 15,5. Alors Sonic Drift 2, on le retrouve dans la collection Sonic Gem Collection sortie sur PlayStation 2 et GameCube en 2005. Donc pour un jeu de course de cartes, franchement, Sega a fait du très très bon travail pour cet épisode-là. Il a vraiment pris. Oula! Merde, je suis tombé dans le trou. Il a vraiment pris en compte les défauts du premier pour améliorer justement le second, et franchement, c'est pas plus mal. Donc c'était Monsieur X qui a testé pour vous les jeux Sonic Drift 1 et 2. Et qui vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut!